Bonjour. Bonjour à tous. Je suis Anissa et voici mon ami Daniel. Daniel Zécoute, qui est en fait, Daniel, c'est un facilitateur d'autoconscience depuis déjà au moins, comme je disais l'autre fois, 3000 ans déjà. Non, depuis déjà 50 ans, je pense. Oui, à peu près, un peu plus. Un petit peu plus que 50 ans. Daniel accompagne les êtres à se libérer de leurs émotions, à modifier leur système de pensée et finalement à se libérer de toute forme de blocage ou de karma. Et aujourd'hui, on a choisi un sujet intéressant, comme à chaque fois. Ça va être l'image de soi, des autres et de la vie. Oui, c'est un très grand sujet. Donc, on va essayer d'être concis, précis là-dedans. Donc l'image de soi est liée justement à la conscience qu'on a de soi. Ouais. Et comme notre conscience est très dispersée dans plein de choses, disons dans beaucoup, je dirais, de choses que nous avons apprises et qui nous conditionnent, tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a entendu, mais qui n'est pas, je dirais, validé par le douanier intérieur, qui est notre cœur, pour qu'on puisse passer la douane harmonique, eh bien, tout ce qui passe pas, notre soleil intérieur va pouvoir, à ce moment-là, donc, nous permettre de nous stimuler dans notre mental, dans notre émotionnel, dans notre conscience, pour comme nous faire comprendre des choses qui viennent du cœur et qui se mélangent à notre personnalité, et qui va faire en sorte que notre mental et notre émotionnel, on va être moins pris dedans. Donc, l'image de soi est liée au fait que nous manquons du soi, du grand soi qui devrait dépasser le moi et le toi. Le toi qui nous enferme par nos concepts mentaux et émotionnels. En gros, oui, tu voulais dire quelque chose? Oui, parce qu'en fait, ce que tu veux dire, c'est que quand on est pris dans l'image de soi, c'est parce qu'on est pris dans des mémoires et on n'est pas assez en contact avec cette lumière-là que tu appelles le soleil intérieur, dans le fond. Pour ceux qui ne savent pas, oui, c'est quoi le soleil intérieur encore. Et on n'est pas, on se laisse pas assez ascensionner, on se laisse pas assez attirer vers cette lumière-là ou assez dirigé par elle. Puis on s'éparpille dans toutes sortes de mémoires qui passent sur l'image de notre conscience, finalement. Oui, et c'est ce qui fait que l'image que nous avons de soi est déformée, l'image des autres aussi et même de la vie. Parce que la vie, à un moment donné, quand on était pleinement dans la vie, nous nous sommes séparés de la vie pour entrer justement, pour descendre de l'harmonie, du monde harmonique dans lequel nous sommes tous, mais sur une fréquence tellement supérieure. On est descendu, une partie de nous est descendue de ça, c'est à peu près 1%. Et c'est là qu'on a créé donc notre corps tel qu'il est aujourd'hui et tel qu'il a été depuis de nombreuses incarnations. Et le chemin du retour, justement, c'est, ça commence à retrouver à l'intérieur de soi le dépassement de l'image qu'on a de soi, mais aussi des autres et de la vie. L'image de la vie, finalement, ce n'est pas l'image de la vraie vie que nous avons. C'est lié à l'ensemble de tout ce que nous avons appris, vu, entendu, subi, réalisé, depuis de nombreuses et nombreuses incarnations, et c'est lié à toutes ces croyances qui sont en nous, à tous ces souvenirs, à toutes ces mémoires du passé qui nous guident dans l'évolution et qui nous permettent aussi, mais à petits pas, de les dépasser. Parce qu'à chaque fois que ces mémoires du passé nous font souffrir et nous font, comment dire, nous stimulent aussi, parce qu'on se dit, il y a un manque à quelque part, il faut que je cherche. La personne qui commence à chercher comme profondément en lui, il va à un moment donné comme se rendre compte qu'en cherchant, il n'y arrive pas. Parce que plus on cherche, moins on trouve. Ou alors plus on trouve des techniques, on trouve des méthodologies, on trouve des choses à apprendre, on trouve une quantité infinie d'ouvrages
qui sont bien sûr très intéressants à lire, mais qui sont aussi, comment dire, qui nous amènent aussi progressivement un éveil supérieur à chaque fois que nous avons une compréhension de quelque chose à l'intérieur de nous-mêmes, soit des émotions, soit de notre mental, soit de la souffrance, soit de différentes choses qu'on peut vivre, et que cette émotion-là nous amène aussi un éveil. Voilà pourquoi nous avons à quelque part choisi de descendre du monde harmonique pour commencer effectivement à retrouver une image de soi propre, mais qui est karmique et qui nous permet de nous adapter et de comprendre c'est quoi l'univers d'évolution dans lequel nous existons depuis de nombreuses incarnations, jusqu'au moment où on tourne un petit peu en rond et on se pose des questions, et surtout on commence à comme lâcher prise et à se reposer vraiment. Parce que toute recherche, d'une certaine manière, sans qu'il y ait le repos nécessaire dans un silence intérieur pour l'intégrer, s'il n'y a pas ce silence intérieur pour intégrer tous les résultats de nos recherches, ces résultats deviennent une sorte de dépendance dans laquelle on croit et qui nous guide dans une évolution quand même supérieure, mais qui est relativement lente par rapport à l'éveil qui est déjà dans notre cœur et à lequel on peut avoir accès à chaque instant, à partir du moment où on prend une réelle pause et qu'on se repositionne dans la liberté intérieure de notre cœur qui sait et peut tout. Donc quelqu'un, quelqu'un qui n'apprécie pas l'image qu'il a de lui ou des autres ou de sa vie, finalement doit, en tout cas ce que je comprends, c'est que ça serait bien que cette personne-là trouve un espace-temps où est-ce qu'elle peut se retrouver avec elle-même, se reposer, se reconnecter avec son soleil. Oui, il suffit des fois de simples moments de silence. Une pause inconditionnelle, une pause juste pour me reposer. Je me repose et je lâche prise. Je relâche mon corps, je relâche ma conscience, je relâche mes pensées. C'est un peu comme si on se permettait de faire une sieste une ou deux fois dans une journée, ne serait-ce que de 10, 15 ou 20 minutes pour ceux qui peuvent. Sinon, ça peut être aussi simplement fermer les yeux pendant quelques instants et laisser les pensées passer, laisser les émotions passer sans s'y attacher. Déjà ça, au départ, pour ceux qui n'en ont pas l'habitude, est déjà très difficile. Oui, vraiment. Et souvent, les vieilles fatigues vont revenir à la surface. Mmh. Oui, absolument. Quand notre image de nous est teintée par notre passé, on n'est pas dans le présent. Ouais. À ce moment-là, on a un jugement sur les autres. On a une certaine image des autres qui est directement liée au filtre que nous avons de nous-mêmes, que nous avons créé à l'intérieur de nous-mêmes et qui voile notre pertinence, notre regard, notre compréhension, notre façon, et bien justement d'avoir l'image, la bonne image de la personne que l'on voit. Parce que toute image que l'on voit est teintée par nos mémoires du passé et empêche d'avoir accès en résonance de cœur avec le cœur des autres. Alors, on se fait une image des autres et de la vie qui dépend de l'image de soi, dans le fond, qu'on a en soi pour soi. Ouais. Si cette image change par, je dirais, le battement de notre cœur et la respiration qui crée un mouvement qui, quand on est dans le silence, nous amène une connaissance de notre vraie nature originelle, peut-être un petit peu mélangée au départ, on va comme avoir une sorte d'intuition ou d'inspiration qui vient dans la tête parce qu'on a enfin pu se reposer un petit peu, on a pu lâcher prise un petit peu dans des moments où on ne fait rien, on est juste présent. Et là, si notre soleil intérieur ou notre âme ou notre corps de lumière, qu'importe comment ce qu'on l'appelle, voit que nous sommes capables de bien faire avec ce qu'il va nous dire à ce moment-là, dans une sorte, par cette intuition qu'on va recevoir,
eh bien, il va nous tester, comme je l'ai souvent dit, il va nous tester, et s'il voit qu'on fait bien avec et que ça change notre positionnement dans notre façon de penser, de sentir et de vivre, et aussi bon, sur l'image qu'on a de soi qui se modifie parce qu'on a plus confiance au soleil intérieur qu'à soi-même, quand ce virage-là est fait, eh bien là, oui, notre âme va pouvoir nous guider davantage. Et l'image de soi, des autres et de la vie, automatiquement va changer, sera moins dans des dépendances, moins dans des mémoires du passé qui nous teintent dans notre prise de conscience, dans le présent, ici et maintenant. C'est rare, mais là, j'ai rien à dire. Ouais. Mais l'image de soi, c'est sûr que l'image de soi, des autres et de la vie, finalement, chez la majorité des êtres, c'est un ramassis de jugements de toutes sortes, finalement, mais on s'en rend même pas compte. Les jugements de toutes sortes sont nécessaires puisque c'est la manière de les évacuer, de façon à ce qu'on en prenne conscience et que ça crée des réactions, soit positives ou négatives, face aux autres. Et dans ces réactions-là, automatiquement, on va réagir aussi. Et chaque réaction, même si elle est négative ou positive, va nous amener justement à des prises de conscience plus harmoniques, avec une compréhension plus éthique, avec une façon de parler où on aura moins de résultats négatifs en retour, hein, des résultats. Ce sera parce qu'on est plus conscient d'une forme de sagesse, d'une forme d'équilibre, d'une forme de tempérance qui se met en place, et automatiquement, comme chaque compréhension qu'on peut avoir dans la vie amène une illumination par la connaissance intérieure, l'amour et la lumière d'une ou de plusieurs mémoires du passé, à chaque fois des mémoires qui s'illuminent en nous vont produire un éveil plus grand dans le présent et moins de dépendance aux mémoires du passé et un peu plus d'infusion amoureuse des mémoires du cœur qui viennent un petit peu modifier notre mental avec des connaissances plus vivantes et adaptées au monde et aussi avec, bien sûr, non seulement des connaissances, mais une façon de faire, d'agir, de parler et finalement de s'exprimer dans la vie en général qui est quand même plus en harmonie, progressivement, un petit pas après l'autre. Et si l'âme voit, si notre soleil intérieur voit qu'on maintient cela, et bien là, le processus d'illumination du passé, et non d'élimination du passé, d'illumination du passé, pour être plus, pour vivre plus dans le présent, dans les choses simples de la vie de tous les jours, et plus dans l'action que dans la réflexion, bien cette illumination va pouvoir se maintenir et grandir jusqu'au moment où on se retrouve, je dirais, comme unifié avec notre nature la plus profonde. On devient la totalité de l'être qui nous habite et qu'on peut appeler l'âme, l'âme éternelle, avec le corps de lumière qui est le plus proche de nous et qui peut exprimer à ce moment-là, dans un langage harmonieux et adapté à tous, eh bien, exprimer le sens et l'essence de la vie, mais surtout dans les choses pratiques de la vie de tous les jours, pour qu'on puisse adapter cela à notre prochain, et aussi à, bien sûr, tous les niveaux de conscience qui existent dans les êtres humains. Et quand les gens parlent des fois d'ajouter, tu sais, de faire beaucoup d'affirmations, ou tu sais, j'ai souvent entendu, si tu veux changer telle perception, si tu veux te voir différemment, tu sais, répète des choses. Puis oui, je comprends bien. Qu'est-ce que toi, tu penses de ces choses-là? Mais si les êtres humains, là où ils en sont, ont besoin de s'affirmer, d'affirmer des choses, je crois que c'est positif, s'ils n'ont pas d'autres moyens. Pourquoi? Parce que l'affirmation leur permet une assise dans quelque chose qui est peut-être plus éthique que ce qu'ils faisaient un petit peu avant. Donc, c'est quand même un pas d'évolution qui est naturel, qui est, je crois, positif, et qui va faire en sorte qu'ils vont s'éveiller par petits bouts de cette manière-là, leur vraie nature aussi. Je serais temps qu'ils se rendent compte qu'il y a peut-être autre chose. Oui. Donc, l'image de soi, des autres et de la vie est proportionnelle
l'agir, à comment on agit dans les choses simples, quotidiennes, de la vie de tous les jours. Ne cherchons pas des choses supérieures, agissons en conscience, en présence dans ce qu'on fait. Et si notre cœur voit qu'on le fait régulièrement, automatiquement, il va nous amener eh bien, toute la connaissance nécessaire pour l'adapter aux êtres face à nous, sans même qu'on le sache et sans qu'on le veuille. L'amour aussi nécessaire pour accompagner soi-même et les autres à, bien sûr, transformer ces émotions qui sont de l'amour retenu et bloquées par des croyances. Mais si la connaissance du cœur nous libère des croyances personnelles, automatiquement l'amour va illuminer l'émotion et bien sûr la connaissance universelle du cœur va transformer notre mental en lui donnant justement plus de nourriture vivante qui est la pure connaissance du cœur et qui est un langage neutre et amoureux qui permet aux êtres de le comprendre spontanément, sans que ça passe par le mental et l'émotionnel. Dans un premier temps, quand on est vraiment en connexion avec le cœur de la vie, et ce langage-là doit être comme adapté au monde, sinon il est difficile à comprendre. Il est un petit peu comme hermétique. On le comprend sur le moment, mais on n'arrive pas à le retenir. Et alors on va reposer la question, mais qu'est-ce que tu viens de dire? Et c'est là, comme c'était une intuition, ben je vais dire autre chose, qui ressemble peut-être à ça, mais qui sera plus ajustée à la personne, parce que mon âme a bien vu qu'il fallait l'ajuster d'une certaine manière. Est-ce qu'on avait autre chose à ajouter à ce sujet-là? Eh bien, l'image de soi, des autres et de la vie est directement liée à une nécessité dans le fond. C'est une nécessité d'avoir une certaine image pendant un moment. Quand on évolue dans la vie, il faut bien s'attacher au résultat de ce qu'on fait, au résultat de ce que nos communications ont amené comme harmonie, comme compréhension pour nous, comme ajustement dans notre travail, dans notre façon d'être en général, dans notre façon d'aimer et de servir les autres, dans notre façon aussi de construire certaines choses, d'apprendre certaines choses qui sont nécessaires pour davantage s'éveiller, et ainsi de suite. C'est infini finalement, chacun va pouvoir aller dans créer son image qui correspond à son potentiel de mémoire et son potentiel de réalisation dans son existence et dans sa vie. Mais c'est sûr que réaliser des choses, c'est vraiment lié à l'image qu'on voit des choses. C'est complètement une perception. Oui, oui. Mais si l'image qu'on voit des choses nous est conditionnée ou nous est, disons... Allée, toujours. Non, nous est, comment est-ce qu'on dit ça, proposée par l'extérieur, à ce moment-là, comme ça ne vient pas de l'intérieur, mais que ça nous convient, parce qu'on sent que c'est positif pour nous, on va faire avec et ça nous amène certainement quelque chose. Ouais. Ça peut nous amener des choses à la fois positives et négatives, ou un mélange des deux. Et c'est ça qui crée aussi les vagues de l'évolution de la vie. C'est parce que l'évolution est toujours quelque chose qu'on fait pour atteindre un but. Mais dans notre cœur, le vrai but est là. Et lui, il se libère quand justement, on ne désire plus rien, qu'on ne veut plus rien, mais qu'on est tellement heureux d'être présent dans ce qu'on fait et satisfait de ce qu'on fait, que là, oui, le cœur va nous parler sans même qu'on le sache. On ne saura même pas que ça vient de notre cœur, mais les gens, les personnes autour de nous seront étonnés de la justesse des propos qu'on va exprimer et de la résonance qu'on peut avoir avec eux en comprenant des choses, des fois encore mieux que la personne elle-même, parce qu'on est en symbiose totale avec elle. Ouais. Alors voilà pour l'image de soi, des autres et de la vie qui est nécessaire au départ. Il faut bien passer par des images
pour laisser ces images et bien se dissoudre finalement dans la connaissance, l'amour et la pure lumière de notre cœur, où là ce ne sont plus des images qui vont se manifester, mais la connaissance pure de notre cœur qui seule peut transformer ce qu'on a appris en connaissance, l'amour bien sûr pur de notre cœur qui va nous accompagner à transformer progressivement, naturellement, tranquillement nos émotions, qui est de l'amour bloqué et dans des mémoires du passé et dans des sensations du passé qui nous ont permis d'être satisfaits de notre vie jusqu'à aujourd'hui. Mais ces sensations-là, à un moment donné, ne nous satisfassent plus. Et c'est à cause de ça qu'on a cette intuition intérieure du cœur qui vient nous parler pour nous faire en sorte de faire des sauts dans notre éveil, hein, pour passer à un autre niveau d'éveil. Donc voilà pour l'image de soi, des autres et de la vie qui est proportionnelle à la façon dont on a, mémorisé tout ce qui favorise en ce moment même l'évolution dans cette même vie. Mais l'évolution dans la vie n'existe pas dans le fond, puisque dans la vie il n'y a pas d'évolution. Il y a une présence de la connaissance, de l'amour, de la lumière qui se manifeste dans une seule fréquence rapide et qui nous parle spontanément sans que ça passe par le mental et l'émotionnel. On espère que cette vidéo-là vous a plu. Si vous avez des questions, on sait que on est très conscient qu'il y a certains, peut-être d'entre vous, qui certaines nuances que vous, peut-être vous n'allez pas saisir, gênez-vous pas, pour soit téléphoner à Daniel ou nous écrire, puis on va répondre avec grande joie à votre question, à vos questions. Donc, merci d'avoir été là. Puis on se dit à bientôt. Merci et bonne image de vous, des autres et de la vie.